Parce que je vais devoir les mettre. Je vais devoir mettre la vidéo pour les présentations. Pour les gens à distance qui voient le panel. C'est bon. C'est parfait. C'est Rui. Bonjour, je suis Pascal Charlot, je suis président conférence. Et la dernière d'un cycle de conférences qu'on a faites dans le cadre à la fois des 30 ans d'Enervata, parce qu'on célèbre quelques fois les 30 ans d'Enervata. Et en même temps, on a des animations autour de Grenoble, qui elles vont se dérouler toute l'année. Et pour ceux qui ont suivi, c'est au mois de mars, que le mois de l'énergie, donc on a fait aussi une conférence au mois de mars. Il y a eu. C'est pas top. Ah, voilà, donc on a profité de cet anniversaire pour prendre un peu de recul sur à la fois sur les 30 ans passés et regarder avec un peu de perspective ce qui pourrait se passer dans les années à venir. La première conférence, c'était sur l'évolution globale du monde, la population, l'économie et du lien à l'énergie. La seconde conférence, donc tout ça, c'est vous pouvez les revoir sur les réseaux. La seconde conférence, c'était sur le mix énergétique, le bouquet énergétique français et son évolution depuis 30 ans et dans les années à venir. La semaine passée, c'était sur la consommation énergétique, donc tous les enjeux, l'évolution de la consommation, tous les enjeux à la fois d'efficacité, de sobriété pour l'avenir. Et aujourd'hui, le titre est un peu bateau, c'est un défi pour tous. Et je vais venir plus en détail. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir des analyses que nous, notamment chez Nervata, on est habitué de faire, qui sont au niveau national ou international, qui ne sont pas toujours réjouissantes d'ailleurs, parce qu'on constate que ça avance progressivement, mais assez lentement et souvent loin des objectifs qu'on se donne au niveau international, on peut rester sous les 2 degrés d'augmentation de température. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'échanger à un autre niveau et de voir la place des autres acteurs. Que les États et que la communauté internationale, et en particulier de voir le rôle des collectivités territoriales, de voir le rôle des entreprises, des citoyens, et comment ces rôles s'harmonisent ou pas, entre comment ils ont évolué et comment ils s'harmonisent. Donc les quatre intervenants que vous voyez aujourd'hui sont là. Donc, alors dans l'ordre d'intervention, c'est moi qui vais commencer à faire la connexion pour vous poser le problème. Puis nous aurons Éric Piolle, maire de Grenoble. Monsieur le maire, bonjour, merci d'être là avec nous. Claire Tutenuit, qui est déléguée générale d'Entreprise pour l'environnement. Connaissez Grenoble, mais peut-être pas Entreprise pour l'environnement, qui est une association qui regroupe 60 entreprises nationales et internationales qui sont désireuses d'aller de l'avant dans la lutte changement climatique et la préservation de l'environnement et de prendre un certain nombre d'initiatives dans ce sens. Et Claire en est la déléguée générale depuis quelques années déjà, avec 15 ans. Plus de 15 ans. Merci d'être venue, Claire, pour cette conférence notamment. Et on en profitera pour rencontrer les gens de la métropole cet après-midi. Et Stéphane Lamanche, donc vous voyez pas tout, sociologue du climat. Stéphane est québécois d'origine, on peut le dire, ça se remarquera sans doute dans la suite de la conférence. Sociologue du climat et coordinateur du GIEC. Alors, GIECO, tu peux redire en 2 mots ce que c'est, en prenant le micro. GIECO, c'est simplement le groupement d'experts internationaux sur les changements de comportement. Voilà, merci à tous d'être là. Alors, c'est une conférence hybride. Donc, on a un certain nombre de participants sur place et un certain nombre de gens qui sont connectés par Zoom, qui normalement doivent entendre et suivre la conférence.
n'y a pas de grande particularité, on est habitué à ces modes de fonctionnement. Si au moment où il y aura des interactions et des questions-réponses, il faudra être plus attentif à ne pas les laisser en dehors. Voilà, si tout est clair, je vais commencer. Voilà, pour poser le problème, alors, à notre manière, chez Layer Data, pour le point clé, la contribution de tous les acteurs de la société est essentielle à la décarbonation. C'est sans doute aussi un peu une banalité de le dire, mais quand on regarde ce qu'on regarde au niveau national et international, c'est qu'aujourd'hui, la décarbonation, donc la baisse des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre globalement, est loin des trajectoires qui permettent de viser une augmentation de la température limitée à 1,5 degrés, voire 1,5 d'ici la fin du siècle. Donc, c'est quelque chose que vous devez en tête. Donc, c'est lent. L'amélioration des trajectoires est lente. Au niveau des pays, quand on regarde ce qui se passe au niveau des pays depuis 5, 10 ans, 15 ans, ce qu'on a évoqué dans les autres conférences, il y a des efforts significatifs qui sont faits. Il y a une prise de conscience, il y a une appropriation, notamment jusqu'à la dernière COP, des objectifs long terme. Donc, tout le monde, voilà, la plus grande partie des pays annonce des objectifs de zéro émission nette à horizon 2050 pour les pays développés, 2060, 2070 quand on parle de la Chine ou de l'Inde. Donc tout ça va évidemment dans le bon sens et en même temps ça n'a pas nécessairement beaucoup d'impact à très court terme. Et quand on mesure ce qu'on mesure, ce qui est notre métier chez Layer Data et la note du fond, on voit que les tendances, c'est pas parce qu'il y a une annonce long terme que la tendance court terme change tout de suite. Loin de là, et les émissions, alors après il y a les effets du Covid qui ont baissé l'année, remonté une autre année, mais globalement les émissions restent stables, voire continuent à augmenter légèrement. Voilà. Donc on n'est pas sur les tendances qu'on vise. Donc dans ce cadre-là, la mobilisation des acteurs nationaux, leurs actions sont évidemment toujours nécessaires, que ce soit au niveau des pays, au niveau des COP, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est le point suivant, et ça va être l'objet de cette conférence, le déploiement d'actions de décarbonation doit se faire à tout un tas de niveaux, au niveau étatique, mais aussi au niveau des collectivités territoriales, au niveau des entreprises, au niveau des citoyens. C'est une contribution de tous les acteurs qui doivent se cumuler, avec un enjeu de multiplication, d'effet d'entraînement, et un enjeu de coopération aussi. Si chacun fait dans sa stratégie à sa manière, ça ne le fera pas à la fin. Alors, les leviers, le point suivant, les leviers de décarbonation sont entre de nombreuses mains. Alors, je n'ai pas pu résister à ce plaisir de montrer la petite équation de Kaya, qui dit que les émissions de GES, c'est la multiplication de trois choses. C'est les services qu'on utilise, les services qui consomment de l'énergie. On multiplie ça par l'intensité énergétique des services, donc combien ces services consomment d'énergie. Et on multiplie ça par le niveau d'intensité carbone de la production d'énergie. Donc, pour ceux qui ont fait des mathématiques de base, ça peut être troisième ou seconde. Quand un truc est à la fois le dénominateur et le numérateur, ça se simplifie. Et voilà une manière de voir les impacts et les différents leviers. Et quand on parle de leviers de décarbonation, on en a trois. Il y en a un, c'est alors, dans cet ordre-là, peu importe. Hein. Il y en a un, c'est la sobriété. C'est quelle est la quantité de services qu'on utilise, de services qui consomment de l'énergie. Le second, c'est l'efficacité. Une fois qu'on utilise un service, quelle est la quantité d'énergie que ce service consomme, et peut en consommer plus ou moins. Et le troisième, c'est la décarbonation des sources d'énergie. C'est une fois qu'on consomme une certaine quantité d'énergie, quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre que ça émet. Voilà. Et quand on regarde ces trois leviers, donc, qui sont... quand on travaille sur des trajectoires, sur l'analyse du passé et sur des trajectoires d'avenir, on utilise ces trois leviers et on peut avoir tendance à utiliser plus ou moins tel ou tel levier. Et là, à ce stade, un petit tableau simple, mais en gros, pour dire que chacun des acteurs qu'on a évoqués ou qu'on va évoquer a évidemment un impact possible sur chacun des leviers, que ce soit l'efficacité ou la sobriété. Sur la décarbonation des sources d'énergie, l'État, l'Union européenne ont évidemment un levier plus fort en termes d'investissement et de politique. Un même pour avoir leur panneau ou un peu de source d'autoproduction, mais ça c'est limité. Mais sur le reste des leviers, l'efficacité ou la sobriété, globalement, chacun a sa part. Alors, pour être plus concret, on a pris trois exemples. Quand on regarde
un, la rénovation des logements, deux, je prie dans trois secteurs différents, sur les transports et sur l'alimentation. Alors, je n'ai pas tout lissé, mais on voit bien que chacun des acteurs a un impact. La rénovation des logements, typiquement, est un enjeu, mais en France et dans plein d'autres pays, est un enjeu d'accélération important. Et ça se joue à la fois au niveau de l'État, des objectifs, des normes, etc. Au niveau des entreprises, évidemment, pour proposer des solutions techniques et rentables, pour structurer une filière qui aujourd'hui n'existe pas ou peu partiellement, qui est largement insuffisante. Donc la structuration de la filière, c'est à la fois le job des entreprises, de l'État et aussi du support des collectivités. Les collectivités territoriales auront aussi un tas d'impact, pas listé là, mais dès le financement, d'avoir une attention à la précarité énergétique par rapport aux inégalités, etc. Et évidemment, les citoyens sont là, mettent en œuvre, investissent. Ils doivent avoir un certain degré d'exigence par rapport aux solutions et aussi s'organiser pour faire entendre leur voix donc en termes de syndicats, de sociétés consommateurs. Donc ça, c'est l'exemple de la rénovation des logements. Sur la consommation de viande, c'est pris au hasard, les trois erreurs, mais on a évidemment aussi tous les acteurs qui jouent à ce niveau-là. Les citoyens, in fine, c'est eux qui consomment ou pas de la viande, qu'ils soient citoyens dans une entreprise ou autre. Les collectivités territoriales ont un enjeu, évidemment, parce qu'ils gèrent une partie des filières locales et ils gèrent des. Je ne sais plus pour Renault, on sait combien, 700 de milliers de repas gérés par la collectivité par an. 1000 réunions agricoles par an. Voilà, on fait le calcul. Donc il y a un enjeu tel quel de mise en œuvre, d'exemplarité. Les entreprises, il y a un enjeu de transformation de la filière alimentation agricole qui est énorme, l'évolution des métiers et des conséquences. Et à chaque fois, dans les entreprises, il y a l'enjeu particulier des banques de financement de la transition, et je vous le dis là aussi. Et pour terminer, le troisième exemple du prix, c'est l'augmentation de la part du rail, qui est aussi un objectif qui est poursuivi dans beaucoup de pays et en France, où il y a un enjeu important. Donc, la part du rail, c'est à la fois passagers et marchandises. Donc, l'État, évidemment, a un certain nombre d'objectifs et de moyens à sa disposition, d'investissement, d'objectifs à fixer. J'ai dit incitation et pénalité financière, parce que tout ça, il faut le financer dans l'usage du rail par rapport aux moyens de transport. Les entreprises ont un enjeu de création, d'adaptation de la filière, d'évolution de la filière. Il y a une question de financement. Et les entreprises elles-mêmes ont un enjeu de fonctionnement, d'utiliser plus le rail, parce que c'est une partie des utilisateurs des transports, qui posent des questions de transformation de supply chain, etc. Les collectivités ont un enjeu majeur d'aménagement du territoire, de structuration, la région gère les TER, etc., etc. Et les citoyens, là aussi, ont un rôle capital. Voilà, c'est pour donner trois exemples. Je pense que le but de la séance n'est pas de traiter ces trois sujets-là, mais de montrer quelque part, quels que soient les sujets de décarbonation et d'évolution qu'on a, on a un enjeu de coopération et de levier qui se joue au niveau de chacun des acteurs et dans leur mode interaction. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction, pour poser le problème. Maintenant, donc la question que j'ai posée en particulier à M. le maire et Madame la déléguée générale de l'EPE, c'est de nous aider à comprendre, alors de leur point de vue, donc Eric Piolle, ce ne sera pas spécifiquement en tant que maire de Grenoble, mais de par son expérience des collectivités territoriales, la question c'est comment voyez-vous l'évolution depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être, des collectivités territoriales en termes de rôle, de compétences, de motivation à traiter ces sujets-là? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça peut aller plus loin? Et quels sont les freins? Quelles sont les motivations pour que ça s'accélère? Et on aura le même type de questions après pour les entreprises, et après on aura le regard de ce sociologue qui sera plus français. Monsieur le maire, et la place en rôle. Je crois que ça va avoir tout seul. Oui, oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir sollicité pour ces 30 ans de Zener Data. Alors, la consigne est. Je vais essayer de rester focalisé sur la consigne, sur une perspective historique des 30 dernières années, de quelle évolution pour les collectivités et leur groupement, en disant que finalement ce qui a introduit vraiment les enjeux liés à l'énergie dans les collectivités et dans leur groupement, donc l'établissement de coopération intercommunale, c'est quand même
s'amorce, c'est l'agenda 21, et donc c'est le sommet de Rio de 92. C'est là que se pose l'agenda 21, c'est là qu'en France arrivent les premiers agendas 21 locaux au milieu des années 90, en 96, peut-être pour les premiers. Et puis, en parallèle, tout un historique de réglementation, on pourrait parler de celle liée au logement, centaines d'années d'histoire de régulation du logement, depuis l'initiative des maires dans les années 20 sur la construction qui faisait même suite à des plans majeurs en termes d'urbanisation à la fin du 19e. Il y a eu comme ça des fils, schémas, grands schémas directeurs qui sont venus d'abord être optionnels, puis le temps passant devenir réglementaires. Là, on pourrait citer ce qui a donné les plans climat, air, énergie, directoriaux qui ont ce nom-là depuis 5-6 ans. C'est la loi climat de 2015 qui est rendue obligatoire, d'abord pour les agglos de plus de 50 000, maintenant pour les agglos de plus de 20 000. Ils faisaient suite, eux, au plan climat national de 2004, qui lui-même était un lointain héritier, historique plutôt post- le choc pétrolier des années 90 avec les programmes de maîtrise de l'énergie. Donc, ce cadre, en fait, il va évoluer, vous voyez, assez lentement, hein, depuis Stockholm, puis Kyoto, Rio, Kyoto. Tout ça avance relativement fort lentement, avec au début des démarches incitatives, puis des impératifs, donc, comme je disais, sur également les schémas régionaux, les SRADET. Et eux ont englobé petit à petit plein de codes et de schémas qui étaient venus se poser petit à petit. Donc on peut dire que tendanciellement, je crois que c'est 5 minutes. Tendanciellement, c'est des impulsions, des initiatives qui sont laissées à sur les schémas. Ces schémas deviennent obligatoires, les seuils de ces schémas deviennent de plus en plus bas, les ambitions de ces schémas deviennent de plus en plus hauts, et on est à une phase où, pour moi, on commence à avoir maintenant des réglementations par projet, donc sur la construction de nouveaux projets. On commence à avoir besoin d'enquêtes environnementales, de règlements thermiques, de règlements maintenant environnementaux. La RT 2012 est devenue la RE 2020. Mais on n'en est pas encore à un vrai programme cohérent et opposable, c'est-à-dire que notamment sur les grands enjeux que sont le logement, il y a encore quasi rien pour tout le logement déjà construit. Donc on met des normes pour le neuf, alors qu'on sait que notre enjeu, c'est l'ancien, puisqu'on construit à peu près, les bonnes années, 1% du parc chaque année. Donc en fait, on se focalise sur le moins 1%, on se focalise sur 99%. Sur les schémas de déplacement, ça avance là aussi extrêmement faiblement. On l'a vu avec la mise en place plutôt par un angle pollution et donc plutôt par un angle réglementaire. Sur l'alimentation, quasi rien, la loi Egalim, le premier signe d'un goût sur quelque chose qui représente quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que l'angle qui commence à se prendre pour les gens qui cherchent à transformer la société dans ce domaine-là, on prend depuis quelques années un angle également par la justice qui vient tous ces documents devenant opposables mais n'ayant pas de contraintes pour essayer de poser un cadre, cette fois-ci directement issu de la justice, pour venir imposer des changements. Et donc c'est dans ce cadre-là que mon homme, par exemple, participe à l'attaque judiciaire contre Total avec Olivier Pinaude, avec Bayonne, que on participe avec Grande Synthe et Paris à l'attaque contre le gouvernement et qui a donné la décision du Conseil d'État, qui a une actualité immédiate puisque le gouvernement a été sondé par le Conseil d'État de produire d'ici le 31 mars, d'ici la fin de la semaine, son plan de rattrapage sur tout ce qui n'a pas été fait et comment se remettre dans les coups pour l'avenir. Donc on va voir là cette semaine comment le gouvernement va répondre à cette injonction du Conseil d'État et quelle va être la réponse du Conseil d'État à cette injonction. Avec une décision qui est une évolution majeure, quand même, dans le rapport que l'on a fait là avec Enceinte et Paris notamment, c'est que c'est la première fois qu'on a une décision de justice qui
justice climatique a commencé il y a 5-6 ans, hein, ses prémices. C'est la première fois qu'on a une décision de justice qui prend en compte le budget climat. C'est-à-dire que la décision du Conseil d'État n'a pas été de dire en fait, vous n'êtes pas dans les clous de votre réduction de gaz à effet de serre, donc qu'est-ce que vous faites pour vous remettre dans les clous? Mais en fait, c'est un budget climat, donc tout le travail que vous n'avez pas fait dans les années précédentes, ce gaz, ce carbone est dans l'atmosphère, donc il faut le rattraper. Donc, il faut faire un plan de rattrapage. Donc, voilà un peu la ligne générale du paysage des collectivités qui sont au cœur, je vais atterrir là-dessus, qui sont au cœur de cette transformation parce qu'on est au cœur de la vie quotidienne. On s'occupe de logement, on s'occupe de déplacement, on s'occupe d'alimentation. Donc, ça fait 70% des gaz à effet de serre en tout cas, produits sur le territoire. On a un enjeu sur la dimension culture, c'est relatif à tout ce qu'on a fait par exemple sur la publicité ou sur l'économie du recyclage. Et on a un enjeu évidemment énergétique qu'on a essayé d'avoir à bord ici à Grenoble, puisque avec notre réseau de chauffage et maintenant 80% d'énergie renouvelable, et GEG produira dans moins d'un an l'équivalent de ce que consomme des électricités, des ménages moins de bois en électricité 100% verte, c'est une fossile nucléaire. Donc, on est au cœur de distribution, logement, déplacement, vers logement, alimentation, les trois gros enjeux de la vie quotidienne, les trois gros enjeux de la qualité de vie, les trois gros enjeux du climat. Aussi de la partie, la troisième tendance d'équation qui est la partie décarbonation. Et les enjeux pour nous sont maintenant un enjeu financier, évidemment. La différence d'un acteur privé, on ne peut pas réhabiliter nos 78 écoles en factorisant dans le business plan les économies qu'on va réaliser. Ça n'existe pas dans le public. Vous ne pouvez pas aller, vous puissiez rembourser avec vos recettes d'investissement actuel, vous ne pouvez pas factoriser l'avenir, ce qui est un problème stratégique puisque la politique est là normalement pour anticiper. Et puis, surtout, quand ce déroulement financier, si on arrive à faire sauter, on va se retrouver avec des enjeux majeurs, cette fois-ci qui seront physiques et pas juste dans le cadre idéologique, cadre financier, c'est-à-dire qu'il y a un cadre idéologique. On va se retrouver avec des enjeux physiques qui sont quelle personne formée pour faire cette transition et quelle matière première, puisqu'on voit qu'on connaît déjà des tensions. Et donc, nous allons maintenant vers, de mon point de vue, des crises qui sont des crises de capacité physique, matière première ou humaine, de mise en œuvre de la transition, avec le rapport du GIEC, son deuxième volet, là, c'est bien. Un enjeu qui est pour moi central, c'est que la réduction des inégalités en fait, est un prérequis à la capacité à se saisir d'enjeux du climat. Ce n'est pas la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui seraient plus solidaires que les autres, ceux qui auraient une histoire politique qui soit ancrée dans ces buts de conquête sociale. En fait, c'est un prérequis pour pouvoir avancer. Et donc là, on a un enjeu qui est évidemment éminemment politique, qui va être l'enjeu, de mon point de vue, de l'écologie politique dans les années à venir. Comment, à un moment où la prise de conscience environnementale se fait partout et donc les discours, on va dire, s'acclimatent partout à cette urgence-là, comment on reste sur un enjeu facteur, un enjeu majeur qui va être l'enjeu de la mise en œuvre concrète. C'est dans la mise en œuvre concrète que, évidemment, le conflit d'intérêts au sens juridique, hein, les conflits d'intérêts vont se poser, vont devoir être tranchés. Donc, c'est plutôt captivant. C'est pour ça qu'on a lancé Capital Verte. C'est pour se dire que ces conflits d'intérêts, en fait, on va les transcender en essayant d'inspirer et se dire que ce qu'on a à faire ensemble a plus de sens pour nous aujourd'hui et également pour les générations qui viennent. Donc c'est ça qui va nous inspirer. Donc Capital Verte nous a permis de définir des objectifs communs avec le monde économique, le monde de la culture, du sport, le monde académique, le monde puisqu'on a un conseil scientifique et les institutions de façon très large. Je crois que c'est cet enjeu-là pour éviter, pendant, c'est d'éviter ce qui s'est passé dans l'alimentation, dans l'agriculture, où en fait la non prise en compte de cette dimension de culture du changement a tendu les choses et en fait tend de plus en plus les choses. Et on se retrouve avec des mondes qui sont en confrontation de plus en plus violente. Donc là, on cherche une sortie par le haut qui permet de fédérer. Voilà, en quelques minutes. Merci. Oui, sans doute. Peut-être une petite question pour conclure
ce début d'intervention. Je sais plus, vous êtes représentant à l'association des maires de France ou des. France urbaine, je suis président de l'Institut de France urbaine. C'est les villes de plus de 100 000 habitants et les agglos de plus de 200 000. Merci. Du coup, ma question, c'est au-delà de Grenoble, de l'évolution de Grenoble, comment vous voyez l'évolution plus au niveau sociétal du rôle des collectivités? Est-ce que ce que vous dites, vous le ressentez aussi bien dans toutes les métropoles, dans des petites communes, ou est-ce qu'il y a des différences fortes qui se créent en termes de motivation à bouger, de moyens de... Dans toutes les métropoles, on peut dire qu'il y a une tendance à poser une question de vitesse et une question de cohérence. De façon générale, et quelle que soit les couleurs politiques, chaque mandat a fait plus que le précédent. Et on peut dire pareil à l'échelle nationale. Le Conseil de climat a beau dire que le gouvernement a fait deux fois moins de ses engagements et moins des pays européens, en fait, il a fait plus que le précédent, qui lui avait fait plus que le précédent, etc. Donc, ça, c'est le schéma général. Les enjeux très forts, c'est en fait à quelle vitesse maintenant on part. Et dans combien de domaines, en fait, on met en œuvre le changement. Le pari qu'on a fait ici, c'est s'entraîner au changement et donc lancer des changements partout en se disant que ce qu'il fallait franchir, c'était notre résistance au changement. Et tous, à titre individuel et à titre collectif. Donc l'enjeu, c'est peut-être qu'on génère des changements partout, ça crée des moments de conflit très forts, et ces moments de conflit, en fait, font évoluer la culture une fois qu'ils sont passés. On peut voir l'exemple d'un qui s'en va, la fermeture par qui s'en va, et un bel exemple, ça crée un conflit majeur, et il faut accepter pour que la culture a évolué. Donc, on est comme la pub, il n'y a personne qui propose de remettre la pub dans l'espace public. Donc, on est dans cette logique-là aujourd'hui, avec de toute façon, parce que ça correspond aussi aux attentes des habitants. Des habitants. Mais vous dites qu'en gros, dans les autres, voilà, chacun va à sa vitesse avec la dynamique qui est semblable dans toutes les grandes agglomérations. La tendance, la dynamique, je ne sais pas, mais la tendance, au fond, et après, tout l'enjeu va être de dire. Dans cette tendance de fond, quels sont les sentiments? C'est que quand vous mobilisez des moyens, ben là, ce qui se passe autour du conflit de la ligne des Gilets jaunes de Toulouse, est-ce que l'effort des collectivités, dans les fonds de l'État, va être sur une nouvelle ligne des Gilets ou sur les trains du quotidien? À Grenoble, dernier. Et la tendance là, pouf, et est-ce qu'on fait un gros centre commercial de notre service de carré? À Nantes, ce qu'on appelle en fait, personnel politique en place est défavorable à l'aéroport. Donc, on est dans ces parties. Et la deuxième dimension qui est très intéressante, c'est sur l'échelle, c'est qu'on a un problème majeur, donc fort, c'est la déconnexion démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert, c'est cohérent à des intercommunalités des responsabilités, parce qu'on a des sur le dos, des déplacements, de l'économie, tout ça ne fait pas à l'échelle communale. Mais on n'a pas mis en place le vote direct, à part sur la métropole de Lyon. C'est l'absorbée du département. Donc c'est la seule interco qui soit une collectivité, les autres sont des groupements de communes. Et donc là, on a un problème qui va grandir. Un problème dans le monde urbain, parce que il y aura des équipements politiques, comme on l'a vu ici, mais aussi un problème dans le monde rural, où finalement, cette intercommunalité manque de formation, donc une ingénierie d'État pour les accompagner. Et donc là, on a plein d'intercommunalités qui auraient envie et qui manquent de formation des territoires. On a 500 000 élus en France. Il faudrait les former en toute logique. Il faudrait les former tous, comme on pourrait le faire dans les entreprises. On pourrait les former tous aux enjeux majeurs, les enjeux environnementaux et pour moi, les enjeux d'influence sexiste et sexuelle. Là, on a un problème qui fait que dans un grand nombre d'interpôts, ça ne va pas aussi vite, même si l'État qui pousse, alors que dans les métropoles, c'est plutôt l'État de frein. Merci, monsieur le maire. Pour cette introduction, son regard sur l'évolution des collectivités. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pierre Tutosini pour nous décrire un peu la même manière, sur un sujet bien différent, comment vous voyez l'évolution des entreprises depuis 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'elles font, alors en parlant à la fois des grandes entreprises internationales, des petites, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles disent, et quels sont les écarts, et qu'est-ce qui reste devant comme enjeu de transformation de planète.
Merci beaucoup Pascal et merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est toujours bon de sortir des cercles parisiens, de voir la vraie vie. EPE a aussi 30 ans. Bon, mais je vais regarder après. J'ai compris que c'était ça. EPE a aussi 30 ans. Donc, je pensais articuler mon propos va avoir 30 ans dans 2 mois. Donc, il y aura aussi certainement un événement. Mais ça permet de prendre un peu de recul. C'est l'occasion de prendre du recul. Et je dirais que pour les entreprises aussi, il y a eu plusieurs périodes. Je vais aller très vite. Il y a eu une première période jusqu'à 2009-2010 où le changement climatique, c'était qu'est-ce que enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Il y a le climato-scepticisme a duré quand même assez longtemps. Comment on fait? Ça se mesure comment? Le CO2, on n'avait pas encore inventé la tonne équivalent CO2, il a fallu que les scientifiques le fassent. On a commencé à mettre en place des protocoles de mesure. On s'est vraiment beaucoup concentré sur comment on va saisir ce problème. Il y a eu quand même des premiers engagements volontaires dès l'an 2000 au sein d'une petite sœur de PE qui s'appelait ERS et qui a marché, mais qui a montré quelque chose, c'est que ça marche. Chaque entreprise avait pris un engagement, mais ça n'a pas marché pour chaque entreprise. Il y a des secteurs qui ont dit, ben, ça tombe bien, on a dépassé, mais comme il y en a qui ont baissé, on y arrive globalement. Donc, ça a montré que ce n'était pas un sujet à la mesure d'une entreprise, mais qu'il fallait vraiment déjà y aller à la mesure de collectivité. Et puis, il y a eu, mais à l'époque, on considérait que tout ça, ça allait être des politiques, il y aurait plus de carbone, le marché ETS, mais que c'était l'affaire des États. Jusqu'à 2009, où il y a eu la COP de Copenhague, qui, comme chacun sait, a été un échec, n'a abouti à rien, parce qu'on a mis les chefs d'État dans une pièce et ils ne sont pas arrivés à se partager le carbone, les émissions, comment on fait, qui doit réduire, c'est la faute de qui. Donc, les États tout seuls, ça n'a pas marché. Et là, les entreprises se sont dit, comment on va faire. Et il y a eu ensuite une deuxième étape qui a été beaucoup de réflexion et de perplexité, mais en 2015, il y a eu l'accord de Paris. Et l'accord de Paris a été précédé de mobilisation de nouveaux acteurs, et je pense en réaction à ce problème de l'accord de Copenhague, mais nous, on a des solutions, et on peut aider, on peut contribuer, parce qu'on voit venir. Il y a eu, juste avant l'accord de Paris, le Climate Change des collectivités locales et le Business Climate Summit, qui était un sommet mondial des entreprises pour le climat, mais que PE et le Global Compact ont co-organisé, et où les entreprises ont dit, on a des solutions. Ce qui veut dire qu'entre 2000 et 2015, vous avez développé des solutions, on va avoir des solutions de remplacement d'énergie, d'efficacité, etc. On a des solutions, mettez les politiques en place et on va les déployer. Et ça, je pense, contribuer, de même que les collectivités locales, au succès de l'accord de Paris, où ça a aidé les États à prendre un peu d'ambition dans leurs engagements et à dire, OK, collectivement, on doit pouvoir y arriver. Ça a aussi mobilisé non seulement les entreprises techniques qui ont des solutions, mais les financiers. Il y a eu le même mouvement au sein de la communauté financière avec le fameux discours de Marc Carnet sur les risques attachés au changement climatique, risques physiques, risques de transition, risques fiduciaires, financiers. Et donc, l'ensemble du monde économique s'est saisi du sujet de manière extraordinairement accéléré par l'accord de Paris. Et on peut dire que ça a déclenché un mouvement très important, au point qu'aujourd'hui, plus de la moitié des membres de PE, mais ils ne sont pas complètement représentatifs, mais il y a plusieurs milliers d'entreprises qui ont des engagements de trajectoire de réduction de leurs émissions en ligne avec l'accord de Paris. Donc, c'est des engagements qui peuvent être à 2030 ou 2035, 25, 30 ou 35, mais qui sont compatibles avec une baisse des émissions pour arriver à net zéro en 2050. Il y en a plusieurs milliers avec des trajectoires de référence scientifiques et c'est devenu le sujet stratégique numéro un dans le dialogue actionnaire, c'est-à-dire qu'on voit des résolutions en assemblée générale, on voit dans les dialogues des asset managers la question est pratiquement la première posée parce que pour tout le monde, c'est devenu un gros risque financier si on n'est pas dans la transition. Ce qu'on peut dire, puisqu'on posait la question des PME, c'est que les PME sont un peu en retard, parce que c'est quand même, ça reste des sujets compliqués. Ce n'est pas toutes les PME, mais certaines, la grande masse des PME qui ne sont pas dans la green growth, dans la croissance verte, elles attendent un peu, elles sont quand même encore en compétition quand elles fournissent des produits, des services. Elles sont en compétition les unes contre les autres et le mouvement commence à peine à se déclencher. Elles ne savent pas forcément compter les émissions, c'est quand même lourd en administration. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que ça vient et le mouvement est en train de démarrer.
avec le Carbon Disclosure Project, qui a maintenant une grande base de données où on va mettre les beaucoup EcoVadis, qui sont des grandes bases de données où les sous-traitants sont notés sur le sujet, de plus en plus sélectionnés sur ce sujet, et donc le mouvement là aussi est lancé. En revanche, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a, chez EPE, on a fait cette fameuse étude ZEN 2050 en 2018-2019. Une fois que la France s'est dit « je veux être neutre en carbone », les entreprises se sont posées trois questions. D'abord, est-ce que c'est possible? Techniquement, est-ce qu'on saurait faire? Deuxièmement, c'est est-ce que c'est compatible avec la croissance? C'était le fameux débat sur croissance, décroissance. Et les entreprises et la décroissance, le monde économique ne supporte pas la décroissance. Donc, est-ce que c'est compatible avec la croissance économique? Et troisièmement, ou premièrement, comment vivent les gens? Est-ce que c'est la hutte et la bougie? Donc, on a fait cette étude avec plusieurs des experts, avec de nombreuses expertises grenobloises, on va dire, et qui a donné la réponse assez positive à ces trois questions, c'est-à-dire oui, c'est possible, on a les solutions, il n'y a pas besoin de révolution technologique, on les a, on les connaît, elles sont plus chères, mais elles existent. Il y a une deuxième question, oui, c'est compatible avec la croissance économique globale du PIB, c'est pas la même croissance, donc il y en a qui vont décroître, clairement le monde des fossiles ou la voiture thermique décroisse, la construction neuve va décroître, mais il y a des croissances de services, d'autres produits, et donc globalement, oui, il y a de la croissance, c'est vivable dans un monde économique un peu plus régulé, mais néanmoins. Et puis, dernier point, ou en fait, premier point dans le rapport final, les modes de vie sont plutôt sympas. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on fait moins de mobilité contrainte, oui, bien sûr, on mange moins de viande, mais on mange quand même très bien. Donc, on a le choix, c'est diversifié, les familles s'adaptent, etc. Mais néanmoins, ayant exploré ce paysage, ayant adapté leur stratégie pour décarboner petit à petit leurs produits, ça ne marche toujours pas quand même. Et ça ne marche toujours pas parce qu'il y a plusieurs limites. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de biomasse, il n'y a pas assez de renouvelables, il n'y a pas assez de sol pour remplacer tout par des renouvelables, de compenser, créer des absorptions de CO2. La France est trop petite et pourtant elle a beaucoup de campagnes, elle a beaucoup de ressources naturelles. Donc il y a un vrai problème de ressources. Et on n'a pas parlé des minéraux rares, mais il y a les mêmes problèmes aussi. Donc il y a des limites physiques, autres que le climat. Le deuxième problème, c'est que ça coûte cher. C'est-à-dire qu'en plus, la rareté des sols et de la biomasse fait qu'il y a des solutions qui vont coûter cher, mais les énergies fossiles n'étaient pas chères et les énergies moins fossiles, renouvelables, sont plus chères. Donc les solutions techniques vont être plus chères. Il y a un gros investissement, donc il y a un problème de justice sociale qui va être associé à ça. Le troisième problème, c'est les effets rebonds. On va mettre de la voiture moins émettrice, des avions moins émetteurs, mais on consomme toujours plus. Donc, s'il n'y a pas un signal prix qui empêche les effets rebonds, ça ne marche pas. Et le signal prix se heurte une fois de plus au problème de la justice sociale et au problème de l'acceptation. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, les entreprises et les États et les pouvoirs publics n'y arriveraient pas sans les gens. C'est-à-dire que cette transition n'est pas possible si la majorité, la grande majorité de la population n'est pas à bord, avec plusieurs, je vais vous montrer mon petit chart, puisque j'ai un chart, avec, et chacun a des rôles, chacun a quelque chose à faire. Donc, parce que ceux qui vont au hasard déménager pour se rapprocher d'un centre-ville, des services, de leur travail, c'est des gens, même si ça ne coûte pas très cher. Le déménagement, c'est ça. Ceux qui vont rénover leur logement, c'est des chantiers dans les logements. Donc, il y a un effort des gens pour ça. Ceux qui vont, évidemment, changer leur régime alimentaire, c'est tout bon. Ceux qui vont, les préférences mobilité, habitat, j'en ai parlé. Ceux qui vont changer leurs habitudes de consommation, si on passe au recyclé, faire durer leur... ne pas changer leur téléphone portable trop souvent, c'est des personnes. Donc, il faut que les gens... Et ce n'est pas que des petits gestes. La rénovation des logements, ce n'est pas des petits gestes. Les changements alimentaires, c'est des petits gestes quand c'est une fois par semaine. Quand c'est régulier, ce n'est pas un petit geste, c'est un comportement culturel profond. Et donc, pour amener ça, évidemment, c'est aussi les citoyens consommateurs, ils sont aussi salariés et ils sont aussi épargnants. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils mettent leur épargne dans des fonds plus durables, qu'ils acceptent un certain nombre d'évolutions dans la façon de travailler. Donc, en tant que salarié, il faut vraiment que la population aussi soit à bord. Après, les acteurs économiques, ils ont évidemment le développement de solutions, ils ont évidemment à transformer l'outil de production, ils ont à faire ces transitions professionnelles avec les salariés, avec leurs salariés, déplacés, pour convertir des sites. Et donc, c'est des chantiers extrêmement longs et difficiles. On pourrait
parlais de l'exemple de Flins, qui en est un bon. À Grenoble, vous étiez en avance, donc vous avez moins de problèmes, mais je suis sûre qu'il y a le problème quand même, pas très loin d'ici. Et puis, il y a quelque chose, bon, le financement des investissements, ça va de soi, mais il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est le marketing responsable, et je suis contente que vous ayez des initiatives pionnières sur le pub à Grenoble, parce qu'on a aussi une initiative, c'est que, en fait, les modes de vie sont largement créés par les entreprises. La représentation des modes de vie est quelque chose qui est véhiculé par la publicité, par les films, les vidéos, etc. et sont extrêmement influencés par les entreprises. Il y a les listes de sponsors dans les James Bond ou dans n'importe quel film, en fait. Donc, on projette des modes de vie par des quantités de... Le monde économique a une très, très grande influence là-dedans. Et donc, on a eu cette réflexion depuis 2 ans et on commence à travailler chez EPE sur... On a bien publié un guide des stéréotypes des modes de la transition écologique, qui est représentation des modes de vie et transition, qui va essayer de montrer comment la publicité peut changer un petit peu la représentation que se font les gens, tous les gens, chacun la sienne, de sa vie idéale. Donc, il y a un rôle à jouer important sur cette question de publicité. Puis, évidemment, les pouvoirs publics, je ne vais pas en parler, ils ont évidemment un très grand rôle à de nombreux égards, et notamment celui de la justice sociale et des signaux économiques. Donc aujourd'hui, il nous semble que la nouvelle frontière pour les entreprises, c'est effectivement cet embarquement de la population. Il y a 10 ou 20% de gens, dont certainement la moitié des Grenoblois, qui sont dedans. Mais ailleurs qu'à Grenoble, ce n'est pas le cas partout. On va dire que c'est entre 10 et 20% des gens qui ont fait ce changement. Et le problème, c'est comment le dire, comment le faire, sans donner l'impression que le monde économique se défausse, sans donner l'impression... comme ça a été le cas à Copenhague, de dire c'est aux autres de faire, moi j'en ai déjà fait assez. Et donc, comment arriver à construire cette espèce d'alliance avec une majorité de la population, les entreprises, les pouvoirs publics, avec suffisamment de confiance pour que ça marche? Je crois que c'est ça le grand défi des 30 prochaines années. Merci. Merci, Claire. On n'a plus le droit d'utiliser car le son passe mal à distance. Merci pour cette approche. Alors, en termes de timing, on a prévu que la conférence dure jusqu'à 1h15, 1h20, pour ceux qui n'ont pas noté. Après, on propose un petit cocktail qui doit être végétarien, je pense. Donc, on aura un temps de questions-réponses avant et après, on pourra continuer à échanger. Si, je ne sais pas s'il y a des questions, pour éviter d'enchaîner les monologues, si on peut prendre peut-être 2-3 questions maintenant, et ensuite on passera la parole à Stéphane Laranche. Est-ce que tu me diras s'il y a des questions c'est à distance? C'est bon. Quentin. Rapide, je ne sais pas, mais là, avec mes semaines, du coup, je répare des vélos à croisade désormais. Avant, j'étais à l'Observatoire régional énergie gaz à effet de serre. Avant, j'étais à la mairie de Tessin en tant qu'homme énergie à piloter les bâtiments de la mairie de Tessin. Et le grand problème du pilotage pour les bâtiments publics quand il y a 60% d'une occupation, ce n'est pas fait. Et encore avant, j'étais à l'ouverture des marchés pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Grenoble. On parle de vouloir changer de vie, de représentation, et que font les pouvoirs publics là-dedans quand ils donnent, genre à la mi-temps du tournoi Destination, des pubs pour Renault, où désormais les voitures, avec l'aval de l'ADEME, sont en catégorie A et à 0 g de CO2. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Quand c'est zéro, il n'y a plus rien à changer, c'est zéro. S'il y a d'autres questions, on évite à chaque fois la position. Bonjour, merci pour vos présentations. Donc, Karine Sibi, anciennement chef de projet à Enerdata, actuellement enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Moi, je me posais une question sur les enjeux du changement climatique et le besoin qu'on a aussi pour relocaliser les entreprises, parce qu'on a vu que là, les deux crises qu'on a vécues précédemment, la crise du Covid et la crise actuellement avec la guerre en Ukraine, nous montrent que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'on relocalise ces entreprises.
Et je n'ai pas senti dans votre discours, monsieur le maire, est-ce que ça fait partie des conflits que vous avez appréhendés, le fait que, ben, OK, on doit réduire nos réductions, mais dans le même temps, on va devoir aussi héberger des entreprises peut-être aussi intensives en énergie, de plus en plus. Dernière question. Merci pour ces questions. La question de la cohérence, de l'incohérence des pouvoirs publics, elle est centrale. Et c'est pour ça que la justice climatique est intéressante. C'est petit à petit, c'est comment faire pour que la loi de 2015 qui dit qu'on doit diviser par deux notre consommation d'énergie finale en 2050, ben, comment faire pour qu'elle soit appliquée, sachant que pour l'instant, on prend du retard. Est-ce que demain, on aura le rapport du Haut Conseil pour le climat? Est-ce qu'il sera opposable et que le gouvernement sera obligé en fait, de mettre en œuvre? C'est toute la question qui va se poser avec notre recours face au Conseil d'État ici. On le voit là pour les pubs sur les voitures, on le voit sur le Nutri-Score dans un autre domaine. Nutri-Score, on dit, bah tiens, l'alimentation, ce qui est trop salé, trop sucré, la qualité alimentaire, on peut la classifier, mais par contre, on ne l'affiche pas. Donc, si vous voulez aller acheter aujourd'hui quelque chose, ben, on n'affiche pas, il y a un conflit là-dessus. Donc, clairement, on est dans une phase où, après la vague des climato-sceptiques, maintenant, il n'y a plus trop de climato-sceptiques. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais on ne peut pas trop vite, il faut laisser le temps à tout le monde de s'adapter, ou ça va poser des problèmes sociaux, alors que le rapport Oxfam de l'automne 2020 montre que c'est les 10% les plus riches qui émettent 4 fois plus d'émissions de CO2 que les 50% les moins fortunés. Donc le discours qui est de dire qu'il ne faut pas que ça aille trop vite pour ne pas nuire aux 50%, alors qu'en fait c'est les 10% d'en haut qui émettent 18 tonnes de CO2 par tête de pipe, on a là un problème de cohérence qui va être au cœur des conflits politiques nationaux et internationaux, puisqu'on a la même chose, le rapport du GIEC pointe comme cause d'inaction contre le dérèglement climatique, des déséquilibres au sein des nations, mais aussi des déséquilibres entre les nations. Et là-dessus, les analyses un peu de recherche montrent que vous avez deux facteurs, quelle est votre vulnérabilité au changement climatique et quel est le coût du changement. Alors que quand vous êtes très vulnérable et que le coût du changement il est très faible, ben, agir, c'est facile. C'est-à-dire que vous positionnez, enfin c'est facile, vous prenez en pleine tronche, faut pas... C'est-à-dire quand vous êtes les activistes tanzaniens et ougandais qu'on a accueillis à Grenoble pour l'ouverture de capital verte, pour eux, le coût du changement il est très faible, ils n'ont rien, et la vulnérabilité est très forte, ils subissent déjà de plein fouet le dérèglement climatique. Les îles, le collectif Oasis là, qui s'est créé autour des îles du Pacifique, eux c'est pareil, ils sont inondés et le coût du changement est faible. Pour nous, qui sommes moins vulnérables et pour lesquels le coût du changement est très fort sur nos modes de vie et dans le débat politique, et évidemment, c'est plus complexe. Donc, pour moi, là, il y a un enjeu. C'est là-dessus que, pour rejoindre les travaux de Bruno Latour, hein, c'est comment redéfinir en fait une prospérité sans croissance du PIB comme objectif fondamental, donc comment réinventer une nouvelle mythologie collective et comment redéfinir du coup une classe écologique. Et sur l'enjeu de relocalisation, moi, je ne le vis pas comme un problème, puisque nous, on a toujours été politiquement pour la relocalisation. Et moi, qui ai travaillé 18 ans dans l'industrie, quand je vois les mêmes personnes qui venaient nous chanter, quand je bossais avant mon engagement politique, que l'avenir, c'était la France sans usine, et que je vois les mêmes qui nous disent, en fait, il faut relocaliser, OK, d'accord, moi, ça me va. En fait, hein, j'étais pour l'industrie quand je procédais à l'industrie. Je suis toujours pour une industrie notamment relocalisée avec ses nuisances aussi. Ça veut dire que typiquement, de façon très concrète, dans le plan d'urbanisme de la ville de Grenoble, nous maintenons des zones d'activité, y compris pour de l'activité économique avec des nuisances en ville, parce qu'on ne croit pas au modèle qui vise à expulser les nuisances à l'extérieur. Et que le bon modèle pour traiter et améliorer les nuisances, c'est de les avoir sous le nez. Donc, alors, on n'est pas localiste, hein, c'est-à-dire que ça dépend quelle est l'échelle.
J'ai signé il y a 2 semaines une tribune pour changer les règles des marchés publics pour l'alimentation, puisque je pense que le facteur territorial devrait pouvoir être intégré. Pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, évidemment, pour l'alimentation, on veut faire du local. Quand on parle de microélectronique, ben, c'est sûr qu'il va rester 5 ou 6 boîtes dans le monde qui fabriqueront des puces. Donc, c'est évident que la question n'est pas une question de localisme, la question, c'est une question de comment on s'adapte à son échelle. Et donc là, il y a des revirements. Et peut-être que les crises qui ont été à la fois le Covid et la guerre en Ukraine ben, viennent interpeller. Pour des gouvernements qui ont supprimé les lits, ben, c'est plus de 100 000 lits hein, qui ont été supprimés depuis 20 ans dans le monde hospitalier, ben, on se prend le Covid, on dit tiens, finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit 180 sur nos pattes. Pour Macron qui était en train de signer avec Poutine des accords pour que Total aille explorer les gaz de schiste dans permafrost, il n'y a pas bien longtemps, hein. Il fait un petit demi-tour sur lui-même, pourquoi pas. Quand il va à Belfort, ben, tant mieux, non, pour moi pas tant mieux. Enfin, il va à Belfort pour dire que Alstom, qui a fait vendre à General Electric, finalement il faudrait que EDF rachète les poux que General Electric veut bien revendre. Et je dis non, pas tant mieux, on peut se dire c'est bien, parce que c'est toujours ça de prix. Mais en fait, toute la question, c'est comment on va réussir à amplifier les changements. Donc penser que les gens qui allaient dans la direction-là, et puis qui sont capables, c'est bon signe, d'être capable de faire 180 sur ses pattes. Donc ça, c'est bon signe. Par contre, quelle est la capacité à faire émerger et faire accoucher ce nouveau modèle de société, on peut en douter. C'est-à-dire que le prisme général n'est peut-être pas le bon. C'est là qu'il y a un conflit, un débat politique, au sens noble. Je vais rajouter un petit commentaire plus technique, peut-être, puisqu'on a la chance à Enernata d'accompagner Grenoble Métropole dans la déclinaison des scénarios de l'ADEME. Et donc, l'ADEME a publié récemment ce scénario. Et il y a plusieurs trajectoires possibles, plusieurs modes de vie possibles, etc. Et dans ce cadre-là, on regarde comment la métropole peut baisser, va baisser ses émissions propres. Et sur l'industrie, on raisonne différemment en disant qu'il peut y avoir des actions de... Déjà, d'ailleurs, la métropole, si elle a baissé ses émissions historiquement, c'est parce que l'industrie est partie. D'un côté, avec un certain nombre d'emplois. Voilà, ce qui n'est pas la meilleure manière de baisser les émissions. Et dans l'autre sens, la question qui va être posée sur certains secteurs, c'est s'il y a relocalisation industrielle, on raisonne, comme on dit, en scope 3, c'est-à-dire l'ensemble des émissions. Si les émissions étaient ailleurs avant et qu'on les réduit en les relocalisant dans la région ou dans la métropole, il y a quand même une baisse d'émissions. Voilà, donc ça, c'est un problème techniquement qui est clairement identifié. Merci, Monsieur le maire. Je vais passer la parole à Stéphane Lamanche pour... Bonjour tout le monde. Je vous demandais de faire un petit exercice. Dans la salle, on est tous tropiste plutôt climat, on est là pour ça. Et puis, j'ai l'air d'être très énergie. Kilowattheure, ça veut dire quelque chose pour nous, pour la plupart d'entre nous. Gaz à effet de serre veut dire quelque chose pour nous. Mais sociologiquement parlant, quand on regarde au quotidien, n'est pas vrai. Et ça pose en fait toute la question des coopérations dont tu parlais des débats. Donc, je vais y arriver par l'avant, vous allez voir comment. Je veux surtout en fait parler des différents facteurs qui amènent ou pas, qui bloquent ou qui accélèrent des changements de mode de vie et de comportement. Et vous allez voir que dans mon discours, je ne vais pas souvent mentionner le climat parce que le climat n'est pas vraiment un facteur de changement de comportement pour une grande partie de la population. Le premier dont je voulais aborder, c'est la question de la sobriété. Alors, pour les énergéticiens et les technos, la sobriété, c'est simplement la diminution de la consommation d'énergie quotidienne. Bien, mais dans les vies quotidiennes réelles, c'est plus compliqué que ça. Je vous donne un exemple, j'ai un sèche-linge, j'en achète un d'œuf. Il va faire exactement le même boulot qu'avant, mais il va consommer moins d'énergie. Sans aucun changement de comportement de ma part. Cool. Et ça renvoie à des scénarios de l'ADEME, c'est qu'avec des scénarios très techniques, très technologisés, on n'a pas besoin de changer nos modes de vie. On fait de la compensation technique en fait. Si je me débarrasse de mon sèche-neige, je dois l'étendre de neige. Ça, c'est un changement de pratique. Alors, pour les sociologues, la sobriété renvoie strictement au moment où on doit changer de pratique. Sortir de la voiture, prendre son vélo, c'est un changement de pratique. Okay. Faire des rénovations énergétiques des bâtiments, ce n'est pas de la sobriété dans le sens sociologique du terme, même si c'est super efficace pour réduire à la fois la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre.
Mais si on regarde l'autre exemple, la rénovation énergétique du bâtiment, je vais vous donner plusieurs exemples, c'est le deuxième ensemble. Donc, la première chose qu'il faut comprendre avec le cerveau, c'est que, en fait, c'est un organe qui est hyper, hyper actif et très paresseux. Donc, quand vous demandez à des gens de rentrer dans la sobriété, vous leur demandez quoi? Vous leur demandez, on se demande à nous-mêmes, de nous observer dans nos pratiques quotidiennes, comment je me déplace, qu'est-ce que je mange, comment j'achète, comment je trie ou pas, etc., etc., avec des normes qui proviennent de l'extérieur selon la science. Tout ceci pose la question du statut de l'autonomie scientifique dans tout le sens. Et la science me dit que je dois faire ci, ça, ça et ça de cette manière-là. OK, très bien. Mais ça, là, c'est une charge supplémentaire pour le cerveau. La charge mentale, beaucoup plus que l'inconfort physique, est en train d'apparaître dans les travaux en sociologie, en psychocognitif, etc., comme étant un frein beaucoup plus important. En fait, la charge mentale est un frein plus important que l'effort physique dans les changements de comportement. Autrement dit, ça nous saoule de faire ces types de changements-là. C'est lourd. Et en plus, si on met un petit peu de valeur environnementale, on se sent coupable de ne pas avoir agi correctement, et donc on ne réagit pas et on s'envoie les coups de fouet. Donc, comment on fait? Il faut accepter que changer, c'est des erreurs aussi, puis qu'on peut toujours faire une erreur, que si j'étais végétarien pendant un mois et que c'est un week-end, je vais faire un sacré bon barbecue, c'est pas plus grave que ça, et c'est pas pour autant que je recommence à manger de la viande le lendemain. Et donc là, on rentre dans vraiment comment on prend une décision, comment on la tient ou pas, et comment on fait des retours en avant ou en arrière. Et cette charge mentale, vous devez comprendre que pour environ 10-15% de la population, c'est angoissant. Ça fout des angoisses à une partie de la population de penser qu'il va falloir changer. Donc, face à l'angoisse, on ne parle pas de rationnel du tout, là, on ne parle pas de climat, mais face à l'angoisse de changer, on fait quoi? On dit aux gens, attention, dans 2050, on ne va pas plus 3. Ça, ça ne répond pas à l'angoisse. Pour une partie de la population, c'est un peu stressant, mais selon les phases de vie et les besoins, on a des enfants, on n'a pas des enfants, ça peut être convaincant de faire quelque chose. Exemple, rendu à l'âge adulte, pour plus permettre de manger de à peu près n'importe quoi, parce que de toute façon, on va finir par mourir. Et là, on a des enfants, et on se dit, oula, j'ai quand même pas pour mettre n'importe quoi dans la bouche de mon petit, donc j'achète du bio et du local. Donc, on constate avec les nouvelles familles qu'on a une augmentation de la consommation de bio. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Mais après le deuxième enfant, on constate aussi une augmentation assez forte de l'utilisation de la voiture. Rien à voir avec le climat non plus, c'est juste que sur un itinéraire compliqué le soir, il faut que je ramasse les deux enfants, que je les amène au sport, que j'aille faire les courses, que je leur fasse le bain, etc. Puis que je les couche à 8h30, le lendemain, moi, je vais bosser, je ne le fais pas en bus. Voilà. Et donc, en fait, là, il y a un effort cognitif à faire sur comment apprendre à bouger. Et ça, plusieurs villes autour des années 2010-2012 ont commencé à offrir des nouveaux services d'aide à la mobilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on essaie de soulager l'effort cognitif, donner de l'information sur « il faut changer » ne suffit pas. Il faut accompagner. Là, c'est une critique profonde de ce que je dis, une critique profonde, en fait, des campagnes de sensibilisation qui disent « attention, il faut faire plus 3 de 5 ans, il faut devenir végétarien. » Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire « peut-être que la bouffe végétarienne, c'est pas si mauvais que ça après tout. » Donc, pourquoi pas donner des bons livres de recettes non végétariennes pour convaincre les gens de faire des repas végétariens pour tenter. Donc, dire faites ça et accompagner sur comment faire, c'est deux choses différentes et il faut absolument accompagner. Ceci dit, deuxième aspect qui est super important, les représentations sociales et l'imaginaire. Sur l'imaginaire, les représentations sociales, les représentations, c'est, je vous donne un exemple très simple. Je mets des œufs à cuire pour faire bouillir dans une marmite et je mets un couvercle. Les écolos, nous sommes, on va dire, j'aide un peu le changement climatique. En mettant le couvercle, ça va prendre moins de temps, etc. Ceux qui sont maniaques des kilowattheures vont dire, je vais être capable de réduire de 15% 8 kilowattheures, ça va être super cool. D'autres personnes vont dire, ça va en fait me coûter moins cher à la fin du mois si je fais un paquet de petits gestes comme ça. Et d'autres vont se dire, non, c'est parce qu'en fait, je vais pouvoir se récupérer plus rapidement parce que j'ai envie de manger, il faut que je parte. Puis en fait, il y a tous les autres qui se disent, je vais mettre mon couvercle, merde, ça déborde, c'est bordé, donc je ne vais pas. Et ça, c'est la réalité de la sociologie quotidienne. Cette représentation sur quel type de sens, on parle du sens que l'on donne à nos gestes, n'est pas nécessairement climatique. Mais ça peut aller dans le bon sens quand même. Ce qui veut dire que pour des campagnes de sensibilisation, d'accompagnement, si vous ne faites que parler de climat et d'énergie,
vous passez à côté de la plaque à 80% de la population. Parlez d'autre chose. Parlez de fun, etc. Je suis un maniaque du changement climatique. J'étais le premier sociologue en France à bosser de cette manière-là sur les questions du changement climatique. Et je fais du vélo parce que j'aime ça. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est parce que j'ai une sensation physique de bien-être quand j'en fais, malgré le fait que je me suis pété de poignet dans les règles du tram. Vive la vie, tu m'as dévidé. Ça, c'est quelque chose. Mais quand on fait des enquêtes à grande échelle sociologique pour comprendre pourquoi est-ce que les gens ne font pas plus de vélo? En fait, c'est la question des dernières catégories, grandes catégories. Ce que je viens de dire, en fait, la raison pour laquelle je fais du vélo, c'est la question du plaisir, qui est une émotion. Ce n'est pas du rationnel, ce n'est pas une représentation sociale, ce n'est pas en rapport avec des valeurs non plus. C'est simplement une question de plaisir physique. Une grande partie des gens qui ne voulaient pas faire du vélo jusqu'à un certain point, il n'y a pas très longtemps, dans les villes, et c'est encore le cas de plus en plus, c'est la peur de se prendre une voiture dans la gueule. L'émotion de la peur a un effet direct sur le changement ou le changement de comportement. Donc, on peut faire, on pourrait dire, on va répondre en fait à l'angoisse, à la peur, donc aux facteurs émotionnels des changements de comportement et des non-changements de comportement, en faisant faire une grande thérapie collective à tout le monde pour être capable de faire face à ses peurs et d'apprendre à aimer le vélo et apprécier le machin. Ou alors, on peut faire beaucoup plus simple et faire des pistes sécurisées. C'est là, en fait, que toute la question, en fait, de la collaboration et de la coopération si difficile. Parce que face à cette diversité à la fois de représentation sociale, les capacités à mettre en œuvre des actions qu'on a ou pas, que ce soit dans matière de rénovation énergétique ou apprendre à cuisiner, parce que déjà si on cuisine mal, on a cuisiné différemment, mais toujours mal, ça ne résout pas le problème non plus. Donc comment on fait quand on est élu, quand on fait partie des pouvoirs publics, des entreprises, pour dire, face à cette diversité-là, comment on tente d'avoir un bouquet, non pas énergétique, mais un bouquet de politiques publiques qui, en fait, ne va pas obliger les gens à faire ce qu'ils veulent faire de toute façon et qu'ils sont prêts à le faire. Tout en comprenant aussi qu'une incitation, une sensibilisation ne suffit pas non plus. Donc, quels sont les trucs et les astuces qu'on peut développer? Et là, sur ces questions-là, soit en sciences sociales, soit en sciences politiques, en économie, en sociologie, et même en anthropologie moderne, de bien processus de mobilité, on sait comment faire. On sait comment faire maintenant dans tous les pays industrialisés pour mettre non pas seulement de la pression sur la voiture, c'est comme ça qu'on a commencé. La voiture est la coupable, donc on punit la voiture. Puis alors, on s'est dit, ouais, mais en fait, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui en ont besoin. Et ça ne marche pas de faire ça. Donc, comment faire pour avoir une politique de contrainte sur la voiture qui soit accompagnée par le bon type d'accompagnement qui répond au problème de la contrainte? Si vous faites contrainte de côté et accompagnement, les deux sont reliés, vous perdez en efficacité politique publique. Donc, comment on fait? Et ça, sur les questions de mobilité, on est plutôt bon. Sur les questions d'alimentation qui sont si importantes, parce que là, avec la neutralité carbone, il se passe tout. Avant, quand on était sur le facteur 4, on pouvait avoir une approche qui est ici, énergie en mer seulement. Avec la question de la neutralité carbone, on ne peut plus être sur la question d'énergie seulement. Il faut être sur l'occupation des sols, il faut être sur la forestation, sur l'agriculture, sur l'alimentation. Là, on parle vraiment de gaz à effet de serre. On ne peut pas que passer de kilowattheures dans les tuyaux. Et donc, l'alimentation, ça veut dire quoi? Eh bien, les sciences sociales ne sont pas très bonnes. Autant que psycho, on est capable d'expliquer pourquoi il y a polémie, l'anorexie, les traités. Mais notre dépendance aux énergies fossiles, notre dépendance à un style de vie, un mode de vie alimentaire, ce ne sera pas encore une fois en faisant des séances de 60 millions de Français devant des psys pour dire « je suis accro à la viande ». Non. Donc, comment on fait? Ben là, franchement, on n'est pas très bon. On commence à peine à faire des choses. Une association en France qui est plutôt bonne sur ces questions-là, c'est sur l'agro, qui tente de mieux comprendre les aspects sociologiques et psychologiques de l'alimentation en matière de changement climatique et de transition écologique, pas seulement en matière de ce que je mets dans ma bouche. Donc voilà, face à cette complicité, à cette complexité, la coopération, le problème, il n'est pas seulement dans comment on coopère, c'est comment on structure l'espace social, l'espace politique, l'espace économique pour amener les gens dans une certaine direction, faire autrement, sans bien entendu trop perdre leur qualité de vie, ce dont on parle. Merci Stéphane. Moi j'ai une question qui brûle la langue là. Rien à voir avec l'alimentation. C'est quand on évoque, c'est ce qui est vrai dans tous les pays, hein, que 10% de la population représente 50% des émissions. Il y a
un sacré paradoxe avec le fait que toutes les politiques soient globalement nationales. On pense d'ailleurs à la précarité, à faire en sorte que les gens aient plus de besoins, trouvent des solutions, etc. Mais comment baisser les émissions des 10% qui n'ont aucune contrainte financière et qui, à la limite, ont peut-être des freins sur l'alimentation ou autre? Quelles sont les politiques qui permettraient d'attaquer cette part-là du gâteau qui est assez énorme? Nous, on rentre plus dans le domaine de mes copains économistes de la fiscalité, en fait. Il y a plusieurs choses. Hein. Moi, ce que je remarque sur cette question-là, bon, la fiscalité peut être plus agressive, mais pas trop agressive non plus, parce qu'il peut y avoir des effets négatifs. Hein. Mais moi, ce que je remarque chez les entreprises, c'est que derrière le désir des entreprises, j'ai rencontré des jeunes entreprises, petites moyennes et grandes, qui avaient vraiment un désir profond de changer, parce que le changement climatique les fait flipper pour eux, leurs enfants, là, honnêtement. Donc, ça marche bien. Il y en a donc qui, c'est plus un positionnement sur le marché. Et derrière cette phase de positionnement sur le marché, il y a ce qu'ils pensent que la population veut. Je remarque souvent que les entreprises nous postulent une position écologique beaucoup plus forte dans la population qu'elle n'existe en réalité. Et tant mieux, hein, parce que ça les fait bouger. Et qu'en retour, ils vont peut-être pouvoir dire aussi ouais, mais là, notre publicité basée là-dessus, ça ne fait pas, ça correspond aux nouvelles normes en vigueur ou aux nouvelles normes sociétales, je ne parle pas de normes réglementaires, de normes sociétales, et donc peut-être changer. Donc peut-être qu'y aller par la bande, il y a toujours, de toute façon, pour moi, que ce soit sur les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres ou dans le milieu, il n'y a jamais une seule solution qui fonctionne pour tout le monde. Il faut y aller avec un bouquet de solutions différentes. Il y a les contraintes, l'accompagnement, structuration d'espace public, etc., etc. Donc, il faut jouer avec ça. Et ça, comme je disais, en général, ça demande beaucoup d'intelligence. Et là, après, c'est peut-être aussi là que se joue cette espèce d'idéal de représentation de ce que c'est qu'une bonne vie ou une vie luxueuse, etc. Au XVIIIe siècle, la vie luxueuse, c'était d'avoir une robe brodée sur laquelle 100 personnes avaient passé 1000 heures chacune. C'était un modèle de société égalitaire, mais moi, ce n'était pas émetteur de gaz à effet de serre. C'est un mauvais exemple, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui a beaucoup entraîné. Aujourd'hui, le luxe, c'est un yacht, des voyages en avion, des grosses voitures, et ça a été extrêmement focalisé. Mais c'est construit hein, par les entreprises, le monde économique qui a produit ces produits. J'ai oublié le voyage dans l'espace. Donc, on peut toujours dépenser plus d'énergie et on se dit que la consommation d'énergie est un marqueur. Si la consommation d'énergie devient petit à petit un marqueur de « je suis beauf » et qu'en revanche, ce qui est beaucoup, ce qui est considéré comme du luxe, c'est de se faire une représentation théâtrale pour soi et ses amis, avec 10 personnes qui vont venir jouer chez vous, venues de la ville voisine ou de la ville d'à côté, et que c'est ça qui est luxueux, ben, ça se fait. Donc, c'est vraiment de la représentation assez profonde. Alors, je ne sais pas comment on peut influencer ça, mais il y a des acteurs, il y a des stars mondiales engagées qui vont dire « moi, je ne prends plus l'avion ». Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est progressif. On n'a pas le temps de le faire trop progressivement, mais ce n'est pas non plus complètement figé. On va proposer à la communauté de Davos de jouer sur Fort Game Arena. On va voir ce que ça donne. Merci. Il nous reste environ 10 minutes. Est-ce qu'on peut prendre à nouveau quelques questions, Jonathan ? Donc, j'ai une question de Dominique en ligne. Merci Dominique pour votre question. De mémoire, une étude de Carbone 4 chiffre à 25% la contribution maximum des ménages à la baisse nécessaire des émissions de gaz à effet de serre, le reste étant plutôt à la main des États et des acteurs économiques. Que pensez-vous de cette estimation? Oui, moi je vais donner un élément de réponse. On connaît bien Carbone 4 d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a souvent une confusion et une limite dans les raisonnements, dans la communication, qui consiste à dire que la sobriété ou les efforts, c'est les comportements des individus, ce qui est un problème majeur en termes de représentation. Or, c'est pour ça que dans le premier graphe, je ne sais pas si vous l'avez eu dans le tableau qu'on a mis, les efforts de sobriété et de réduction structurelle des consommations, elles viennent de tous les acteurs.
Ça veut dire que si on ne pense pas le plan local d'urbanisation du territoire en fonction de ça, si on continue à déforester, etc., il y a tout un tas d'actions qui viennent des collectivités, qui viennent de l'État, qui viennent des entreprises. Les entreprises, les décisions que prennent les entreprises en termes de supply chain, d'avoir une usine qui fait des produits qui font, et des composants qui font des centaines de milliers de kilomètres avant d'arriver, c'est des problèmes structurels de sobriété qui ne sont pas liés aux individus, aux comportements individuels. Donc, après la question du 25%, bon, je vais regarder un petit peu, c'est sans doute une estimation intéressante. Après, quand on parle de choisir, par exemple, quand on passe au véhicule électrique ou qu'on passe au vélo, la part de préparer les pistes cyclables, d'organiser la ville pour avoir des vélos électriques à des prix abordables, etc., la répartition est limitée. Ce que j'en retiens, moi, c'est que le message, c'est que, un, évidemment, les comportements des individus ont un impact très fort, notamment sur l'alimentation. Il n'y a pas besoin de solutions industrielles énormes aujourd'hui. La dynamique est là. Et que, deux, il ne faut surtout pas se dire, c'est qu'un problème de comportement des individus. On met une pression énorme là-dessus, alors que c'est le comportement de l'État, des entreprises, des collectivités et aussi des individus. Bien dit, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Bonjour, Pierre Buisson, un ancien agent des Nerfs Data qui travaille dans l'assurance climatique. Et j'ai une petite question sur. J'étais très intéressé par la partie sociologique qui est très vraie. J'ai travaillé dans différents secteurs. J'ai travaillé dans l'énergie, chez un producteur d'électricité, j'ai travaillé dans la finance durable également. Et j'ai vu un biais au fur et à mesure, c'est qu'on s'adaptait au coût du carbone. C'est quelque chose. On prend, c'est induit. On a bien compris le côté sociologique, le côté que le consommateur final était très important. On prend en compte des sortes de Nutri-Score climatique, des choses comme ça, des points et notations ESG. Et on se dit, c'est pas très grave si j'ai mis du CO2 parce que j'ai investi dans une forêt. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux collectivités territoriales, aux entreprises, pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce biais-là, qui est d'avoir juste satisfaire des métriques et en même temps de gérer un coût, de se dire, ben voilà, je suis une gestion comptable de mon coût du carbone, je dois faire en sorte qu'à la fin, mon score soit bon, mais vraiment de changer. Est-ce qu'il manque un acteur dans le système? Est-ce qu'il manque une volonté? Qu'est-ce que vous, de votre côté, en tant que éditeur ou en entreprise, qu'est-ce qu'il manque pour réellement ne pas tomber dans ce piège? Bonjour. Bonjour. Je travaille chez Nerdata. J'avais une question pour le groupement EPE. C'était savoir si vous aviez un impact envers les syndicats nationaux qu'on connaît, les grands syndicats nationaux. Et est-ce que dans votre groupement, il y a aussi des entreprises du luxe qui façonnent en grande partie l'imaginaire, comme disait Stéphane? Et si vous avez eu un impact ou des relations avec eux, quelles sont-elles? Bonjour, Nicolas Naville, moi je travaille au Centre scientifique du Bâtiment à Grenoble. J'ai une question qui s'adresse à Enerdata, cette fois-ci. Vous avez présenté les quatre acteurs, le plus large étant les États, enfin l'État. Et avec la crise en Ukraine, ça nous rappelle qu'il y a l'échelle supérieure qui est la géopolitique, et c'est un peu démoralisant parce qu'on a le sentiment que quoi qu'on fasse à nos échelles, à ce niveau-là, personne ne maîtrise rien. Et la question concrète, notamment qui est posée, c'est arrivera-t-on à laisser dans le sol les ressources en hydrocarbures dont le monde et certains États disposent? Est-ce que ces États sont prêts à ne pas les exploiter quand on voit le bénéfice géopolitique que ça procure? Est-ce que Enerdata a des analyses sur ce sujet-là? Une question sur les entreprises, sur les syndicats. Oui, on a des échanges avec les syndicats occasionnellement. Et par exemple, l'étude ZEN 2050, elle a été soumise à un panel de parties prenantes à plusieurs reprises, plusieurs étapes.
Ils sont pas tous sur le même pied en matière de transition climatique, environnementale, écologique. Mais oui, il y en a qui comprennent très bien ces problématiques. Il y en a qui sont allants dans la transition des emplois. Et c'est quelque chose qu'on devrait renforcer normalement. On essaie de renforcer parce qu'effectivement, on voit bien que le travail sur les questions des collaborateurs, sur la mobilisation, sont importantes. Ceci dit, ils sont en train de se faire un petit peu déborder par la base. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des mouvements. Il y a un nouveau syndicat qui s'appelle le Printemps écologique, qui, comme son nom l'indique, essaie de faire bouger les salariés dans les entreprises. Il y a un autre réseau qui s'appelle le collectif des collectifs. Et dans chaque il y a un grand nombre d'entreprises, je crois qu'il y a une centaine de grandes entreprises, dans lesquelles il y a un groupe de salariés totalement bottom-up, pas syndiqués du tout, qui ont dit, nous, on veut que notre entreprise fasse la transition écologique, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ces salariés s'expriment, ils font monter des demandes. Alors, ils demandent qu'il n'y ait plus de gobelets en plastique au début, et puis après, ils demandent que la stratégie de l'entreprise soit plus verte, qu'on sorte tel produit, que les offres soient aussi comme ça. Donc, c'est un mouvement qui est extrêmement stimulant pour les entreprises. Parce que ce besoin de sens, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est leur attractivité. Il y a aussi un autre mouvement, c'est le manifeste des jeunes pour un réveil écologique. 30 000 jeunes qui signent, on ne veut plus aller dans des boîtes qui ne sont pas en transition. Les dirigeants des boîtes ont demandé à les rencontrer, on voulait bien comprendre, et ça a accéléré. J'ai parlé de ces mouvements qui avaient accéléré. Donc, les aspirations des salariés ou des possibles salariés, l'attractivité est extrêmement importante. Les entreprises ont besoin que les gens trouvent du sens à ce qu'ils font. Et les gens ont besoin d'ailleurs de trouver du sens à ce qu'ils font, sans ça, ils changent d'entreprise. Ça va être un exemple, manifestement. Donc ça, c'est vrai. Ça bouge. Les syndicats n'ont pas encore ça. Pour être dans des conseils d'administration, dans un conseil d'administration, voir les préoccupations des représentants des salariés, ils ne portent pas encore cette préoccupation tellement plus que, pas plus que les autres administrateurs. Donc, ce n'est pas encore complètement intégré dans leur logiciel. Sur la question du luxe, oui, on a tous les grands du luxe sont chez EPE. Et heureusement, parce que c'est des secteurs qui peuvent se permettre de faire des expériences, d'anticiper. Ils sont en recherche d'innovation perpétuelle. Et ils peuvent se permettre de payer, de mettre un prix du carbone interne, de faire les choses très bien, de façon très écologique. Donc, oui, ils sont en transition aussi. Après, est-ce qu'on considère que Air France, vous savez, c'est ça la question. Aujourd'hui, non, parce qu'on est sur du vol, on a considéré dans les 30 dernières années que le vol en avion était un produit de grande conso. Et voilà, effectivement, on a toutes ces entreprises de luxe qui sont là, qui font de la réparation. Ils sont d'ailleurs assez vertueux. C'est comme dirait Hermès, le sac Hermès, c'est quelque chose qu'on laisse à ses enfants, enfin sa fille de préférence, en héritage. Ou la malle Vuitton, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, c'est des produits, c'est parmi les produits les plus durables de leur catégorie. Donc, bon, après, il y a des raisons pour ça, mais ces raisons sont payées. C'est que c'est des trucs comme des matières premières de qualité, dont il y a des choses qui sont aussi assez bons sur la biodiversité. Ils vont le Cachemire, l'Himalaya est un endroit qui aujourd'hui est surpâturé pour faire tout ce Cachemire qu'il y a dans toutes ces boutiques de Cachemire. Et Kering, comme LVMH, ont des espaces où ils ont, sur des centaines de milliers d'hectares, limité le nombre de têtes de chèvres, c'est des chèvres, en disant là-dessus, on va faire paître quelques troupeaux et ce sera des produits de luxe. Donc, c'est en même temps plutôt des espaces naturels protégés qui sont maintenus en pâturage parce qu'il y a un peu de chèvres, qui ne sont pas surpâturés. Donc, je ne fais pas de l'apologie du luxe. Je dis qu'il y a besoin, ils ont un rôle utile en matière de prise en compte de l'environnement et d'une certaine façon, ils résistent à une espèce de surexploitation d'un certain nombre de ressources. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Oui, il manque un élan global. On n'a pas parlé du prochain rapport du GIEC. Le précédent, c'était sur l'adaptation. Le nouveau rapport qui va sortir le 4 avril, donc je tiens votre attention, c'est sur les solutions. Et dans les solutions, pour la première fois, il y a, au lieu de simplement les solutions techniques de changement d'énergie, il y a un chapitre qui est sur la demande. Et effectivement, qui commence à parler de changement de mode de vie, et c'est scientifiquement établi. Et ce qui manque, c'est la prise de conscience un peu plus générale. Je veux dire, une fois de plus,
Nous ne sommes pas ici une audience représentative de la population française. La population française, elle n'est pas là. Elle est, comme dirait Stéphane, si elle y vient, c'est pour d'autres raisons. Est-ce qu'elle peut y venir pour le climat? On n'en sait rien, mais ce qui manque, c'est une volonté collective forte. Oui, je voulais juste répondre, mais je vais monter un peu d'échelle. J'étais dans le sujet du quotidien, de lavage de linge, de vaisselle, mais sur la question des faire rebond, je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir de manière très forte et très profonde sur la manière qu'on a que le principe principal de la société, c'est le principe du gain, du plus, et de le changer par un principe d'équilibre, dans le sens quasi-biologique du terme et dans le sens de socio-biologique du terme. Et avec un principe d'équilibre dans la tête, si je fonctionne à partir de ce principe d'équilibre, si je fais quelque chose ici, je vais penser automatiquement à l'interaction par rapport à quel effet ça va avoir là. Et si je vois que ça fait ça, je fais attention à le faire rebond, à ne pas perdre d'équilibre. Le faire, le dire et le mettre en œuvre, c'est autre chose. Mais il est clair que le principe fondamental sur lequel on existe dans notre civilisation fossile depuis une centaine d'années, ce n'est pas le bon. Il faut en trouver un autre, et pour moi, le principe d'équilibre n'est pas trop mauvais. Pour ceux qui ont déjà lu ou qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille fortement de lire Écotopia. Écotopia, écrit en 1975, est incroyablement pertinent pour les tentatives d'action qu'on tente de mettre en œuvre maintenant, avec toutes les implications que ça a sur la relation sociale, les relations homme-femme, sur le boulot, sur le travail, sur le loisir, sur la réparabilité, sur ce qu'on fait de notre temps. Je viens de finir et je ne vois pas grand-chose de contradictoire avec tout ce que je comprends en matière de sociologie, puisqu'il serait possible de mettre en œuvre plus. Donc, et le principe d'équilibre, il est au cœur, en fait, en filigrane de ça. Il y a un truc à jouer là-dessus, mais il est clair que le principe du gain, du plus, là, il faut en trouver un autre. J'essaie de répondre un petit peu à la question qui a été posée, puis je proposerai à M. le maire de conclure, parce qu'on n'aura pas le temps de refaire le tour pour tout le monde comprendre. Donc, vous pouvez vous préparer. La question était quel impact de la crise géopolitique et est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que les pays qui ont des ressources fossiles les laissent dans le sol? C'est à peu près ça. En tout cas, moi, ce qui nous apparaît clairement à tout le monde, c'est que dans l'équilibre, il y a un triptyque entre décarbonation, affordabilité, le coût de l'énergie, et sécurité et l'approvisionnement, depuis quelques années, on se focalisait sur le fait de faire évoluer le mix énergétique mondial sans tellement prendre en compte ces contraintes géopolitiques. Et avec des coûts qui étaient relativement stables, on va dire, et qui baissaient sur les renouvelables. Et là, il y a un gros choc, mais à la fois sur les prix et à la fois sur l'aspect approvisionnement. Et personne n'imaginait que les approvisionnements de gaz russe restaient un truc qu'on ne pouvait pas toucher. On peut le toucher. Donc aujourd'hui, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un mouvement qu'il n'y a jamais eu au niveau de l'Union européenne pour remettre en cause les approvisionnements et les sources d'approvisionnement. Après, la question, c'est où ça mène dans le court terme. Dans le court terme, ça mène autant par aller chercher du gaz de schiste ou aller vers d'autres producteurs qui sont potentiellement avec le même type de risque à l'avenir. Ça peut faire réouvrir des centrales à charbon. Donc, tout ça, ce n'est pas nécessairement au sens de l'histoire. Et de l'autre côté, il se pose la question de comment baisser la consommation. Donc là, comment est-ce qu'on va sortir? Alors, il y a deux ans, on se disait, est-ce qu'on va sortir de la crise du Covid avec des nouveaux modes de vie, des remises en question salutaires et une sobriété plus importante, un autre récit? Ben, les chiffres ne le montrent pas explicitement. Hein. On est en gros revenu à la case départ en termes de modèle. Est-ce que la guerre qui actuellement va permettre des remises en cause fondamentales de cet équilibre et des sources d'énergie et des réflexions, non seulement pour aller chercher les fossiles ailleurs, mais pour en sortir et baisser les consommations, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et en tout cas, c'est les questions que se posent aujourd'hui l'Union européenne et un certain nombre de pays. Voilà, après, il faut être devin pour savoir ce qui va en sortir réellement, mais il peut y avoir un enjeu de salut quelque part de cette crise qui peut en ressortir. Voilà, un grand merci aux intervenants. Je propose peut-être que M. le maire vous concluiez en essayant de dire dans les semaines et dans les mois qui viennent, on peut améliorer, sur quoi on peut compter comme source d'accélération
de la transition, et y compris en termes d'interaction entre les différents acteurs qu'on évoquait. C'est facile, comme conclusion. On a posé le diagnostic maintenant. Enfin, il me semble en fait que ça rejoint pas mal votre question, le travail qu'on a à faire pour nous. C'est à la sortie de l'après-guerre, il y a eu une promesse de progrès social et économique, au moins dans le monde occidental. On a trouvé un indicateur de la croissance du PIB, et en fait, après, la croissance du PIB est devenue l'objectif. Donc, on a perdu les fondamentaux et on s'est défini un objectif. Avec une course à la prédation extrêmement forte. Et j'insiste sur cette dimension d'avoir une nouvelle mythologie collective, qui conjugue des imaginaires qui sont très différents. Le truc de l'œuf marche bien, ce que vous exposiez aussi sur chacun un imaginaire en fait différent, parce qu'on a des attentes et des aspirations différentes, mais il faut que ce soit englobé dans une mythologie collective. Et pour moi, cette mythologie collective, elle s'appuie sur un vrai débat, en fait, de effectivement, qu'est-ce qu'une prospérité sans croissance. Je retrouvais la semaine dernière les diapos que j'avais faites au début de mon engagement politique en 2010. Je faisais des conférences sur prospérité sans croissance. Et donc, sur finalement, quel est le moteur de notre action? Au lieu d'avoir une action qui vise à des logiques de prédation, de croissance, comment notre action, elle vise à nous garantir des sécurités? Et la crise géopolitique montre à quel point garantir des sécurités, c'est bien des sécurités avec un S. J'ai fait il y a une quinzaine d'années une journée de travail avec Gorbatchev et des profs d'histoire qui nous expliquaient pour nous, moi je viens de la supply chain, donc je viens de l'optimisation et composienne et des optimisations des temps et des systèmes, qui nous disaient en fait que les organisations humaines suivent leurs événements sont distribués sous forme non pas de gaussienne, mais de courbes à queue épaisse. C'est-à-dire que le nombre, les courbes à queue épaisse, c'est que les événements qui arrivent dans la vie, qui sont très éloignés de la médiane, sont en fait très nombreux. Et normalement, vous avez suivi gentiment, et plus vous êtes éloigné de la médiane, moins il y a de chances que ça arrive. Et ce que nous vivons en Ukraine, mais ce qu'on avait vécu avec le printemps arabe en 2011, ce qu'on en fait, on vit en permanence, des événements qui sont exceptionnels. Et donc, la question de la robustesse de la société est majeure. Et elle est vraie à l'échelle géopolitique, et elle est vraie là, à l'échelle locale, comment nos actions garantissent des sécurités, chérissent les biens communs et le vivant, c'est-à-dire finalement nourrissent notre communauté collective et sont inspirantes parce que ce qui nous fait bouger, c'est à la fois nos contingences matérielles, mais nos contingences matérielles dans lesquelles on se reconnaît et donc comment ça nous fait bouger. Et je crois que c'est là-dessus, finalement, que tout l'objet qui parle de l'indicateur et de la compensation carbone, est-ce que je replante quand je fais l'avion, il faut que j'ai coché le petit clic, j'ai compensé, je suis content. En fait, comment on va réinventer notre prospérité, notre liberté, cette fois-ci dans notre rapport, notre liberté, ce n'est plus d'aller très loin, ce n'est plus de dominer plein de choses, c'est de jouer avec notre limite. Ça reprend ce que dit Stéphane sur l'équilibre. On va retrouver une liberté dans cet exercice de comment on contient notre puissance pour faire des choses qui ont du sens pour nous. Et à l'échelle locale, enfin, tout le débat est là. Et en tout cas, moi, tendanciellement, c'est pour ça que dans le Capital Vert, il y avait 12 thèmes pour être choisis par la Commission européenne. On a décliné ces 12 thèmes en 54 défis. Et l'objectif est que ces défis puissent être pris, relevés par des individus ou des organisations collectives, quelles qu'elles soient, ou des institutions. Et en fait, moi, ce que je cherche dans le vecteur politique, c'est effectivement redéfinir une classe écologique, c'est-à-dire une classe de mouvement qui permet à des individus, à des organisations, des collectifs organisés et à des institutions de pouvoir tendanciellement aller dans le même sens. Et en fait, tout va être une question de notre capacité à amplifier les changements tout en étant capable d'encaisser les chocs qui vont être de plus en plus violents. Donc, à l'échelle du territoire, je pense que l'enjeu majeur qu'on voit poindre, vont être des enjeux sur les modes de vie, et là, on va l'avoir directement sur la zone à faible émission. Ça va être un enjeu très, très fort de débat public sur nos modes de vie, quel choix on fait entre la santé, quelles contraintes, quel accompagnement social. Et le deuxième enjeu majeur, c'est ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette,
qui pour l'instant est purement virtuel. Donc, quand on améliore les chiffres aujourd'hui, c'est qu'on déclassifie des zones agricoles qui avaient été classifiées comme zones urbanisées, on les reclassifie en zone agricole et on dit qu'on a gagné des terres agricoles. Donc pour l'instant, on est loin d'une vraie réflexion sur les zones artificielles, les zéro artificialisation nette. Et ça veut dire qu'on est loin de. On est encore dans un débat qui s'affranchit de nos contraintes physiques. Et donc tout l'intérêt des prochains mois et des prochaines années, c'est-à-dire comment toucher ces vraies contraintes qui sont des contraintes physiques et donc faire des choix qui soient drastiques. Le plan friche qu'a lancé le gouvernement, c'est la première fois qu'on dit en fait on ne s'en sortira pas sur l'utilisation des sols s'il n'y a pas un effort public pour venir. L'acteur privé ne pourra pas ou l'acteur local ne pourra pas assumer l'héritage de ce qu'on a fait dans le passé. Je pense que c'est tout là l'enjeu en fait pour même à l'échelle locale. On voit cette articulation entre le monde économique, le monde culturel, le monde académique et le monde institutionnel pour réussir à faire bouger ça suffisamment vite. Et prendre plaisir à la fin, ça veut dire qu'il faut. On est passé du déni à la prise de conscience, de la prise de conscience à l'envie. Et tout l'enjeu, c'est de passer de cette envie qui peut être paralysante à un plaisir et un désir de changer. Et donc, c'est là-dedans qu'on essaie petit à petit de rentrer. Merci en tout cas pour cette conférence. Merci Monsieur le maire, merci Claire, la déléguée générale. Merci Stéphane. On ne tâchera pas attendre 10 ans pour refaire une conférence de ce type. Merci à tous. Du coup, on va arrêter la retransmission. C'est ça. Et on va passer à la partie envie palpable qui est donc il y a un petit